Eh bien, salut tout le monde, c'est Iris qu'on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Arc Extinction. La dernière fois, et ben juste tout de suite pour moi, on avait apprivoisé le petit Arfan des Neiges que je trouve adorable, mais regardez-moi ça, on va encore prendre une capture d'écran, je n'en peux plus tout le temps. Alors aujourd'hui, on va directement continuer t'enquête vers le biome neige, et on va apprivoiser tout simplement un Managarm, donc l'espèce de dragon qui fait des dashs là. Donc, je vous propose qu'on fasse ça. Alors, elle, on va la laisser là parce que ça a l'air d'être tranquille. Attendez, je vais même. Calme-toi. Je vais la monter parce que c'est pas avec elle que je vais y aller parce qu'elle est un petit peu lente. On va la mettre. Ah oui, pose-toi si t'as envie. Tiens, reste là. Elle a mangé, tout va bien. Donc, on va aller apprivoiser le managarme. Alors, j'ai vu qu'on peut utiliser des pièges à ours pour le coincer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et normalement j'ai tout. Ah, il me reste 11 fléchettes. Bon, ça devrait suffire, j'ai des flèches aussi. Alors, on va essayer d'en trouver un endroit bien. Pas trop loin. Parce qu'il faut qu'on puisse poser nos pièges comme il faut. Il faut pas trop qu'il y ait de bestioles autour non plus. Parce que sinon ça va être la galère. Par contre, oh ouais, c'est la nuit dans le biome neige. Pff. En fait, la nuit n'existe. Ah, il y en a un là. Okay. N'existe que dans les biomes en fait. En dehors des biomes, vous avez pas de système de nuit ou de jour. Et donc voilà. Une chouette. Mais elles sont trop belles. J'en apprivoisais plein. Pas tout de suite, on va y aller tranquille, mais. Tiens. Il est niveau combien celui qui est là-bas? Je veux pas un niveau nul non plus. Niveau 4, je crois que j'ai vu. Oula. Oh, petit lag, tout va bien. Alors. Je sais pas si c'est normal que ça fasse comme ça en fait. Parce que, en fait, avant je crois pas qu'on voyait la ville de l'intérieur. Parce que normalement, voilà, on est censé voir des. Comme si on était vraiment dans le biome, mais moi là je vois la ville depuis le biome neige. Alors, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais. Bon, c'est comme ça. Il y a une chouette là, c'est pas celle que j'ai paumée tout à l'heure? Non, niveau 7, c'est pas ça. Oh, mais je les aime trop, elles sont trop belles. Mais là-bas, c'est tellement stylé. Attendez, je prends une capture d'écran. Je prends tout le temps des captures d'écran. Quand je suis rare, je prends des captures d'écran approximativement toutes les 30 secondes. Non, mais après, parce que sinon, des fois, quand j'ai pas trop d'idées de miniature, je prends ce que j'ai en réserve, comme ça, là. Alors, attendez. Alors, ça, c'est ok. La nuit, c'est chiant, on voit rien. Après, les managarmes, ils ont leurs ailes, là, qui sont un petit peu. Toutes les couleurs là. Du coup, on les voit dans la nuit. Enfin, toutes les couleurs, non? Surtout bleu pétant. Bon, j'en aimerais rien qu'ils soient pas trop loin parce que, par contre, pour le ramener, je sais pas comment je vais faire vu que ça vole pas vraiment ce truc là. Bon, par contre, l'eau elle ressort. Waouh. Ok. Il y a une chouette. Au niveau 2, non, par contre. Quand même. Allons. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir un managarme de meilleur niveau. On peut y aller là-haut, non? Je crois. Oui, c'est là que je m'étais fait tuer lorsque j'ai spawn la première fois. Il me semble. Il serait bien qu'il y ait un dragon là-haut. On appelle ça dragon alors que c'est pas un dragon. Enfin, à moitié. Bref. On peut pas avoir un truc là. C'est bien en plus. Par contre, si le nid pouvait partir, parce que là, on voit rien. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Bon, il y a des loups. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'aimerais bien voir ton niveau, donc si tu t'en vas tout le temps comme ça va être compliqué. Ah, il y en a un là. Niveau 4. Oh, j'ai pas fait gaffe à la stam. Oh mon dieu. Ah, l'aide. À l'aide, je vais mourir. Ça va bien se passer. Gagne ta stam. Et régène par contre, hein, s'il te plaît. Mais régène! Par contre, si tu régènes pas, ça va pas le faire. Hein. Ok, c'est bon. Bon, c'est vrai qu'il a suffisamment de PV, qu'il attaque bien. Non, mais oui, mais moi j'ai pas envie de tuer le truc en fait. Oh, je fais jamais gaffe à ma stam en fait. C'est vraiment un truc où faut faire gaffe parce que. Ça m'arrive trop souvent.
De pas faire gaffe à la stam. Donc c'est pour ça aussi que je bourre mes bestioles de PV ou quoi, parce que... surtout des volants, parce que les autres, c'est pas trop grave, mais... C'est quoi, tiens, tant qu'à être tranquille là. Hop, régène. Bon, je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en chercher un, d'en trouver un. Une fois que j'en ai trouvé un endroit bien, on l'apprivoisera. Voilà. Ok, alors, il vient de se prendre dans un de mes pièges à ours, donc... Je suis désolée, c'est un peu fait en vrac, mais... Mon dieu, quoi. J'ai à peine fini de poser mes pièges qu'il était dedans, quoi. Mais c'est quel niveau, celui-là? Oh mais non, c'est celui qui est niveau 4, oh non. Bon, tant pis, on va quand même l'endormir. Puis, vous savez quoi? Bon. Si j'arrive à rendormir l'autre, on fera l'autre. J'en ai trouvé un niveau 12. Par contre, la musique, calme-toi. Hein. C'est vrai que je préférais l'autre, mais je dois vous avouer que c'est déjà assez galère depuis tout à l'heure. Donc au pire, tant pis, on endormira un autre. Ok, mais... C'est trop facile d'apprivoiser, en fait. T'en viens. Mais par contre, si j'en apprivoise 15, ça va être compliqué pour les ramener, là. Oh mon dieu, quoi. On reste là. Y a pas celui qui est niveau... Ah, et va-t'en. C'est pas toi que je voulais. Il est où l'autre qui est niveau 12, là? Il est là, non? Il est peut-être mort. Je sais que depuis tout à l'heure, j'en ai croisé deux niveau 12, mais ils étaient tous en train de se battre contre des machins, et ils étaient à moitié ensanglantés, donc... Il est peut-être mort. J'aime pas le bruit de ses balises. Je sais pas où est l'autre. Mon niveau 4, c'est pas fou, mais... En même temps, c'est pas facile à apprivoiser, enfin... Ça va. Ça va, mais... En fait, ça fait pas si mal, j'avais peur que ça fasse mal. Ça fait pas mal. En tout cas, les attaques qu'ils peuvent faire. Bon, je retrouve pas l'autre qui est niveau 12, donc bon bah... Voilà, niveau 5, c'est pas fou, mais je vous ai quand j'ai croisé beaucoup de niveau 2. Beaucoup de niveau 4, 5. Et très peu de niveau supérieur finalement à ça. Donc... Oh! Putain, il faut que j'arrête de faire ça. Eh. Sans déconner. On se calme. Oh mon dieu. Bon alors attendez, je vais récupérer mes pièges à ours là. Mais ouais, bon, tant pis. Moi j'en voulais. On va ramasser. Je voulais celui qui était niveau 12, moi. Enfin, après, je vais vous dire niveau 12 ou pas, j'ai quand même remarqué que ça avait l'air d'être une créature avec des. Des. Comment on appelle ça? J'avais le mot en tête et là je l'ai plus. On va dire avec des habilités assez limitées. Dans le sens où même si elle est pas mal. Ça pourrait être mieux. Bon, mais attendez, je vais aller voir si je vois pas la niveau 12 qui était là-bas. En même temps, elle est en train de se battre contre au moins une petite dizaine de loups. Ah, il y en a un qui est là. C'est pas lui qui est niveau. Non, lui, c'est même niveau 2. Bon, je suis la moitié rose. Non, merci. Je crois qu'elle était là-bas, la femelle niveau 12. On se trouve, elle est morte. Oh mon dieu. Non, mais me vise pas moi. J'ai rien fait. Tiens, c'est pas elle. Ouais, mais niveau 12, vous avez vu? Non, mais attendez, mais c'est. Ouais, niveau 12, mais elle est déjà à moitié en train de saigner. Et sa couleur, non merci. Non, mais je préfère la mienne qui est niveau 5. Elle est peut-être niveau 5, mais elle est déjà plus jolie. De toute façon, j'ai envie de dire, les managarmes, je compte pas me balader avec. Pour. Voilà. Puis bon, après, niveau 12, c'est pas non plus fou. Écoutez, on fait avec les niveaux qu'on trouve. Bon, alors, on va aller la tester. Elle doit être là-bas. Bon. Par contre, pour y ramener, vu que ça vole pas. Oh, ça va être un bordel. Bon, alors attendez. On va tester ça. Le piaf, tu vas nous suivre. D'ailleurs, t'as sa selle, normalement. Effectivement. Alors.
Tiens, viens. Mets ta selle. Voilà. Oh, je suis lourde. Ok, attendez, on va mettre des trucs dans le piaf. En fait, par contre, ça se tait. Parce que je vais pas vous le cacher. Par contre, je peux pas du tout mettre ma tenue, en fait, elle m'a servi à rien. C'est vrai que le froid est beaucoup moins froid sur Extinction. Donc, c'est cool. Alors. Déjà, ça a l'air de se déplacer assez vite. Ok. Clic gauche. Ok, une tag basique, d'accord. Clic droit. Ah! Ah non, j'ai plus. Alors, bon, on va augmenter la stam tout de suite. Ok. Bon, la couleur, on n'en parle pas. Hein. Enfin, j'aime bien les ailes, mais alors après, pourquoi c'est moitié rose et vert? Ça fait pas super mal, non? Il fait non de la tête comme si en maintenant je peux pas. J'ai plus d'énergie. Bon, par contre, ouais, l'énergie, ça va être galère. Oh. Par contre, il est trop mignon. Je trouve qu'il a une belle tête. Il a une belle tête. Et. Oh la vache! Ah, ouais, en fait, il est passé ultra vite. D'accord, ok. Attendez, on va attendre que son énergie remonte. Parce que alors là, sinon, ça va être galère. Le C, c'est quoi? Monsieur, c'est une attaque. Ouais, c'est une attaque basique aussi. Quoi? Ok, donc ça c'est pour sauter. Ok, on va rentrer. Oh, mais l'énergie, mais mon dieu, je peux même pas tout tester tellement il a pas d'énergie. À l'aide. Tellement pas d'énergie que je peux même pas tester toutes ses habilités. Qu'est-ce qu'il fait pour mais. D'accord. Tiens, ouais, mange ça, gagne des niveaux. Quand tu montes ton énergie, parce que là ça va pas du tout. Attendez, mais faut qu'on lui fasse tuer des trucs là, c'est pas possible. Oh, par contre, oh, il attaque à une vitesse. Oh, ouais. Alors, il fait mal, mais je vais quand même. Vous vous rappelez le premier épisode que j'ai fait? Il s'était quand même fait tuer par un mammouth, je crois. Hein. Donc, c'est quand même pas non plus. Quand même pas fou. Bon alors du coup, on disait un saut, double saut. Alors il bouge comme ça. Ok, alors j'ai pas tout compris. D'accord, j'ai pas tout compris. Mais il a pas assez d'énergie pour faire tout ce que je veux lui faire faire en fait. Bon, on va essayer une dernière fois et puis après on essaiera de d'aller retrouver le harfang. Puis voilà. Alors, attendez, un saut. Comment on fait pour le faire français? Je crois que c'est clic gauche, je crois, une fois qu'il a sauté, je sais plus. Il faut absolument qu'il ait plus d'énergie, parce que là, ça va être galère. Alors, par contre, lui, il est bien. Je sais pas, on va pas dire corrompu, parce que c'est pas violet, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, ok. Non, si, c'est avec clic gauche, je crois, mais vu qu'il a pas beaucoup d'énergie, là, ça va pas le faire. Bon, attends, croque ça. Tu vas être lourd, c'est pas grave, croque ça. On va te faire jeter ça. Ça, je n'ai pas besoin, ça non plus. Balance de la viande, on n'a pas besoin. Hop, on va lui mettre de l'énergie. J'aime bien comment il tourne sur lui-même quand on est au niveau. Bon, alors attends, toi, tu vas nous suivre. Écoutez, je vais essayer de retrouver mon harfang. Et puis, une fois qu'on a trouvé l'harfang, on refera l'outro avec notre petit harfang. J'espère que je vais réussir à traverser tout le biome jusque là-bas. Bref, on se retrouve là-bas. Eh bien, nous revoilà au niveau de notre harfang des neiges, qui a l'air de bien se porter. Hein, ça va, il est là, tranquille. Alors, j'ai pu faire monter un peu de niveau mon managarme, parce que j'ai trouvé une caisse d'exploration. Donc, je vais me profiter pour XP. Du coup, maintenant, il est niveau 44. J'ai pu quand même bien monter sa stam. Et je me suis rendu compte d'une chose. Alors, attendez, on va dire au piaf de rester là. Alors maintenant en fait il veut bien faire le sort de super dash là. Maintenant qu'il a l'énergie. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors là je suis pas assez haute pour que ça soit vraiment impressionnant. Tout à l'heure je l'ai fait de tout là-haut là-bas jusque là. Je peux vous dire que waouh, ça fait vraiment un truc. Donc attendez, je vais vous montrer. Et là après voilà, c'est ultra stylé. Par contre, ouais, c'est utilise l'énergie à mort.
Par contre, il prend aucun dégât de chute, et donc voilà. Bref, je trouve ça ultra stylé, et puis en plus de ça. Et ben. Par contre, quand vous avez d'autres dinos qui doivent vous suivre, vaut mieux peut-être pas utiliser cette méthode-là, hein, parce que mon piaf, il avait du mal à suivre. Mais j'adore cette technique de déplacement. Alors, c'est assez compliqué à comprendre, enfin, surtout à diriger au final, mais c'est vraiment sympa. Donc, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve à ma base une fois que j'aurai réussi à ramener les deux. Je sais pas si je vais ramener les deux en même temps. En fait, j'ai peur parce que je me dis si je me loupe, faut pas que tout le monde décède quoi. Je sais pas, je pense que je vais garder le Managarm parce que vu que lui il a. Il est, comment dire, il est assez compliqué à diriger. Donc je vais siffler les deux autres. Et écoutez, on se retrouve à la base. Allez, on y va. Allez, alors je reprends ici parce qu'on est bientôt à la maison. Normalement, on devrait s'en être sorti. En fait, si je fais vraiment très gaffe là, c'est parce qu'il y a énormément de Reaper King corrompus, de Wyvern corrompus, de Gigano corrompus. Juste parce que là, c'est le trou, enfin la brèche qui donne chez moi. Et juste au-dessus, tout autour, je vous dis, voilà, il y a des wyverns corrompus. Enfin, regardez, bah voilà, il y a un Reaper King qui est juste là. Lui, il faudrait pas qu'il tombe, par exemple. Voilà. Pas dans l'eau! Oh là là! Allez, les deux faut qu'ils suivent là. Sais pas où ils sont. Ils vont arriver, j'imagine. T'en restes dessus. Rester juste derrière. Eh, ça va, j'ai pas non plus fait trop de. Si. Il devrait finir par arriver. Ah, ils sont là. Venez. Ok, c'est bon, ils sont là. Alors. Allez, il ne reste plus que la dernière ligne droite, c'est-à-dire aller là en bas. Et on sera bon. Bon, ça va. J'ai un peu pris un détour pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis à ce niveau-là. Ouais, voilà, hop. Alors, par contre, là, on va attendre les autres parce que oh, j'adore quand ils piquent. Ouais, on va dire qu'ils piquent. Voilà, j'adore quand ils piquent comme ça. Oh, c'est ultra stylé. Par contre, faut que les deux autres arrivent maintenant. Mais ça va, ils suivent quand même. Pour une fois que la logique de Ark est à peu près. Par contre, ils ont toujours pas réglé le problème de trou dans le sol, là. Ça, par contre, c'est problématique. Par contre, voilà, on peut être à deux. Bon, moi, je suis toute seule, mais. Quand on joue en multi, on peut être à deux. Par contre, ils sont où les autres, là? Oh mon dieu, quoi. Mon dieu quoi. Heureusement qu'ils feront pas de dégâts de chute hein, parce que là sinon. Ils sont où les deux autres? Attendez, au pire on va aller les chercher avec. Il y a le chat qui gratte la porte. Oh, je vais le défoncer, il me saoule. Pas comprendre que. Bon, je sais pas où sont les deux autres, on va aller prendre. Ouais, attends. Là, arrivée express. Attends, mets-toi là. Je vais le défoncer. Il me saoule à gratter la porte comme ça. Ultra chiant quoi. Bon, par contre, ils sont où les deux autres? Parce que depuis tout à l'heure, ils suivaient plutôt bien. Et puis là, je les paume là quoi. Eh, je vais le défoncer là, à gratter la porte comme ça. Autant s'il faisait ça juste là, ça irait, mais il le fait tout le temps. C'est bien le problème. Mais ils sont là. En fait, ouais, vu qu'ils m'avaient paumé, en fait. Ah, mais non, mais en fait, ils sont en train de suivre le Managaram. Suis Ares. Oula. J'avais oublié qu'il y avait toujours ce lag quand je passais de ma grotte à ici.
Non mais. Allez, venez. C'est vrai qu'en fait, quand la distance est trop longue, si je puis dire, entre les deux créatures, ben, généralement, elles sont un peu paumées. What the fuck? Comment elle s'est laissée tomber? Oh. Faut qu'elle arrête, hein. Allez, on y va. Non, par contre, Faroé, t'es toujours mis comme il faut, toi, évidemment. Allez, on y va. C'est parti. Tout le monde suit. Oui, c'est bon. Bon, on a réussi à ramener tout le monde sain et sauf. C'est la question que je me posais parce que je me suis dit. Clairement, le biome neige, c'est assez loin. Je sais qu'il y a plein de bestioles pas très très sympas sur le chemin. Mais c'est bon, on a réussi à les ramener. Je suis contente. Ça fait ça de moins à s'inquiéter parce que finalement, là, il me reste le gazbag à apprivoiser. Puis les titans. Enfin bref, voilà. Tiens, toi arrête toi, toi arrête toi aussi. Oh, t'es trop belle. Bon, du coup, on va aller vers lui, vu que c'est quand même lui qu'on a prévu. Ah, il souffle de l'air froid. Alors, j'aime bien ses ailes, tiens, du coup, tant qu'on est là. Mais par contre, les trucs roses et un peu verts qu'il a partout, je comprends pas trop le principe. Mais bon, il est quand même très mignon. On va se mettre sous sa grosse tête. Voilà. Oula, wow. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'apprivoisement de mon managarme aussi. Eh bien écoutez, la prochaine fois, je sais pas trop ce qu'on fera. Sûrement le gazbag. Mais je pense qu'on fera un autre truc en même temps. Parce que voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Arc Extinction. Salut tout le monde.